Montaigne. Salut à tous, cinquième et dernier rendez-vous avec Johan Cavalli à Ajaccio. Johan, très attaché à ses Racing Corse. Il fait d'ailleurs partie de la Squadra Corsa, qui est une équipe non officielle de joueurs corse. Avant qu'il nous parle de cet attachement, on le retrouve dans sa brasserie, aux côtés de son père. Tu fais le tour, c'est bon? Ouais, je dis bonjour à tout le monde. On va aller manger maintenant. On va dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Salut Yannick. Quelle est votre impression de devoir jouer pour la CA? Mais tout d'abord, je prends un petit peu de plaisir parce que pour une fois, je le vois alors que nous ne sommes pas associés dans le travail. Et ça me fait encore plus plaisir de le voir s'épanouir, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de son père pour jouer au football. C'est un garçon qui a une très très grosse formation au FC Nantes dans les grosses années. Et on ne peut que s'en féliciter parce qu'aujourd'hui, il en récolte les fruits. Bah merci, Michel. On va manger maintenant. Hein. Bon appétit. Merci. Hein. Il faut être 10 mois pour dîner avec toi au déjeuner. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a, Mehdi Mostefa qui est arrivé en début de saison. Et c'est comme ça, c'est les aléas du foot. Il y a David Gigliotti qui nous a rejoint aussi, alors qu'on jouait tous il y a un an ensemble. Et là, il y a aussi Olivier Davidas qui s'entraîne avec nous en ce moment. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais voilà, il est venu s'entraîner 15 jours avec nous. Donc c'est vrai qu'on se retrouve à 4 anciens ni moins. C'est ça les aléas du foot. La journée n'est pas terminée. Non, pas encore. On va aller se soigner un petit peu, se faire du bien. Alors explique-nous ça. Alors c'est quelqu'un que je vois, qui s'appelle Pierre Marzil. Voilà, j'y vais, on y va, on a quelques joueurs à y aller une fois par mois, ça nous fait du bien depuis l'an dernier, et puis voilà, ça, c'est un petit plus avec notre staff médical, avec notre docteur Gilles Testou et notre kiné. En accord avec le club évidemment, oui, sinon oui, tu oui, n'en parlerais oui, pas. Oui. Et notre kiné Florian Renouche qui font du très bon boulot aussi, mais voilà, c'est un petit truc annexe. Complément. Voilà, un petit complément, ça fait toujours du bien. C'est notre petit bébé depuis 3 ans. C'est une sélection donc de l'équipe Corse. On essaye à chaque fin de saison de se retrouver et donc de faire des matchs. On a attaqué depuis il y a 3 ans en fait. Et voilà, et cet été j'espère qu'on fera encore un autre match. Alors qui est dans cette équipe alors? Mais pour les plus connus, il y a donc Nico Peneteau, il y a Skilac. Il y a Julie qui nous a rejoint à la dernière sélection. Il y a Berenguer. Et donc il y a des joueurs. Donc il y a Pierazzi qui est le capitaine de la CA. Il y a on voit Palmier qui est à Istres. Gaffour. Cabela. Il y a vraiment beaucoup de fierté. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que quand on se rejoint en sélection, C'est vraiment bon pour l'amitié, et donc on prend vraiment pas ça après la rigolade sur le terrain. On a vraiment envie de porter les couleurs de la Corse au plus haut niveau. La suite de la saison, hein, tu nous l'as dit, il va falloir être concentré. Hein. Ouais, la suite de la saison, surtout pas se griser par les résultats actuels. On a connu de grandes difficultés début de championnat. Je pense qu'on sait tous d'où on vient et on va essayer de continuer comme on a su le faire ces deux derniers mois et essayer d'accrocher ce maintien en fin de saison. Allez, viens avec nous. Voilà, pour te remercier vraiment de cette journée passée avec toi à Ajaccio. Pas de souci. Et puis j'espère revenir très bientôt en Corse. Il n'y a voilà. pas de problème. Merci à toi. Ciao. Salut, ciao.